الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام في دنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة، فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين. ومن يضلل فلا هادي له، وهو الخاسر الخسران المبين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. الخلة هي الانقطاع إلى عبادة الله تعالى، وسمي إبراهيم خليلا لأنه آثر الخالق على المخلوق من كمال محبته لله. Alors il a dit l'imam Tahawi, on croit que Allah Ta'ala a pris Ibrahim comme Khalil. Et on va parler de Al-Khulla, c'est quoi? Et Allah a parlé à Moussa par sa parole qui ne ressemble pas à notre parole. Tout cela, on croit à ça avec soumission. Alors lorsqu'on dit Al-Khulla, c'est un degré très élevé que deux messagers ont eu, Sayyidina Muhammad et Sayyidina Ibrahim. Et c'est quoi Al-Khulla? Al-Khulla, c'est le fait que la personne, elle est complètement vouée à Dieu, complètement vouée à l'adoration de Dieu Azza wa Jal. Sayyidina Ibrahim a mis en avant l'adoration de son Créateur par rapport à tout ce qu'il désire ou qu'il aime parmi les créatures, à tel point que son fils aîné, Ismaïl, lorsque Allah lui a ordonné de l'égorger, il n'a pas hésité. Et il a dit à son fils: Allah m'ordonne de te dégorger. Et Ismaïl a dit: ô mon père, fais ce que Allah t'ordonne, tu me trouveras une personne qui patiente. إذن إبراهيم ما تردد في الامتثال لأمر الله، مع أن الشخص الذي أمره الله تعالى أن يذبحه هو ولده إسماعيل. إذن هنا قلنا أنه هذا يدل على علو مقام إبراهيم الذي جعل طاعة الله تعالى قبل أي مخلوق. Alors de là on comprend le degré de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, qui a mis la priorité au début pour l'obéissance à Dieu avant toutes les créatures, même s'il s'agit de son fils Ismaïl alayhi salam. والخلة ليست كالولادة. إذا واحد قال نحن نقول عيسى، نحن نقول عيسى ابن الله، فإذا قلنا إبراهيم خليل الله لمن نقول عيسى ابن الله؟ لا، الخلة لا تقتضي المجانسة والتباعد والتجزؤ، أما البنوة تقتضي المجانسة والتباعد والتجزؤ. Alors si quelqu'un dit: mais si on dit que Jésus est fils de Dieu parce que vous avez dit que Ibrahim est خليل الله. Bon, certains ils traduisent en disant ami intime. Alors ça, il ne faut pas le dire, pas du tout. Il ne faut pas dire comme ça. Mais ils ont dit, puisque on a nommé Ibrahim Khalilullah, pourquoi on ne peut pas nommer Jésus fils de Allah? Alors on a dit parce que le fait d'enfanter ou d'engendrer, ça implique la similarité, ça implique la division, ça implique que Allah Ta'ala accepte la division, et tout ça c'est impossible selon la raison.
Mais si on dit Allah a pris Ibrahim comme Khalil, alors ça n'implique pas la similarité, ça n'implique pas la division, ça n'implique pas qu'Allah est un corps qui accepte la division. هلا لما سمي خليل الله لأنه كان قبل سيدنا محمد وإلا فسيدنا محمد أيضا أعلى مقاما من إبراهيم وهو أيضا خليل الله. Alors si on a nommé Ibrahim خليل الله parce que Ibrahim c'est le père des prophètes, après lui tous les prophètes sont descendants et il avait ce titre ou ce mérite. Alors on l'a nommé خليل الله, il était connu par ça. Et mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre qui a encore ce mérite, Khalilullah. Mais Sayyidina Muhammad, qui est plus élevé que Ibrahim, il a encore ce titre, ce mérite, et on le nomme Khalilullah. ولا يقال عن مثلا أبو بكر خليل الله لا يقال هذا المقام وصل إليه سيدنا محمد وإبراهيم الخليل. Alors ce mérite et ce degré, deux prophètes ont eu cette faveur, c'est Ibrahim alayhi salam et Sayyidina Muhammad alayhi salam. Alors on ne peut pas dire pour un être humain, voilà, ou même si c'est un grand saint comme Abu Bakr, on ne dit pas c'est Khalilullah, Abu Bakr ou Ali, non. وكلم الله موسى تكليما أي اسمعه كلامه الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا ولا صوتا فلذلك سمي موسى كليم الله. موسى a été nommé celui qui a entendu la parole de Dieu, كليم الله, c'est la personne à qui Allah a parlé par sa parole. Allah lui a parlé par sa parole qui n'est pas une langue ni composée par des lettres et des voix. Allah كلم موسى بكلامه الأزلي الذي هو ليس لغة عربية أو غيرها أو عبرية ولا غيرها وليس مركبا من حروف وأصوات. C'est-à-dire موسى a entendu la parole de Dieu qui n'est pas une langue, n'est pas composée par des lettres et des voix. C'est pour cela on l'a nommé كليم الله, le prophète qui a entendu la parole de Dieu. ونقول يجوز أن نقول موسى سمع كلام الله بأذنه من غير أن ينحل كلام الله فيها. On dit Moussa a entendu la parole de Dieu. On peut dire il a entendu par ses oreilles. Mais il ne faut pas croire que la parole s'incarne comme ma voix maintenant. Il se déplace dans l'air et il rentre dans les oreilles des gens qui m'écoutent. Allah Ta'ala, sa parole n'est pas des voix et des lettres pour dire qu'il va dans l'air puis après il rentre dans les oreilles. Non. يصح أن نقول موسى سمع كلام الله يعني بسمع نقول سمع كلام الله كما تقول أنت المؤمنون يرون الله بأعين رؤوسهم comme tu dis le jour dernier les croyants voient Allah par leurs yeux et sans que Allah soit une image ou un aspect. Et on dit encore Moussa a entendu la parole de Dieu par ses oreilles mais sans que la parole de Dieu s'incarne dans l'oreille. وقوله تعالى تكليما يدل وكلم الله موسى تكليما تكليما مصدر ولو كان تكليم الله لموسى مجاز عن خلق الله للكلام في غيره لما صح تأكيد المجاز بالمصدر لأن في اللغة العربية لا يؤكد المجاز بالمصدر. Alors lorsque Allah Ta'ala a dit taklima, c'est-à-dire c'est pour confirmer que c'est par sa parole, parce que si c'était le fait qu'Allah a parlé à Moussa, c'était un métaphore et ce n'est pas réel. Si c'était un métaphore, alors ce n'est pas valable dans la langue arabe de la confirmer avec l'origine du mot qui est al-masdar. لأن المجاز في اللغة لا يؤكد بالمصدر. مثال لا يصح أن تقول في اللغة قلت بيدي قولا ولا يصح أن تقول باللغة قلت برأسي قولا. لكن يصح أن تقول قلت بيدي قلت برأسي. إذا قلت بيدي يعني مجاز عن حركت رأسي حركت يدي. لكن إذا قلت قولا لا يصح. Alors dans la langue arabe c'est valable de dire j'ai dit par la main, j'ai dit par la tête. C'est une métaphore, c'est-à-dire j'ai fait signe. J'ai dit par la main, j'ai dit par la tête, j'ai fait signe. Mais si tu veux dire j'ai dit par la main une parole, ça c'est pas valable. J'ai dit par la tête une parole, c'est pas valable. Parce que déjà, c'est métaphore, on ne peut pas le confirmer
avec al-masdar. Lorsque Allah Ta'ala a dit wa kallama Allah Musa taklima, alors c'est confirmé par al-masdar, c'est pour dire que Allah a parlé à Moussa réellement par sa parole et c'est pas une métaphore, par sa parole qui ne ressemble pas à notre parole. Idhan kallama Allah Musa حقيقة بكلامه الأزلي الذي لا يشبه كلام البشر الذي ليس هو حروف وأصوات ولغة لأنه أكد هذا بالمصدر وفي اللغة العربية لا يصح تأكيد المجاز بالمصدر في اللغة العربية c'est pas valable de confirmer le métaphore par l'origine du mot en arabe qui est al-masdar. إذا آمنا بالرؤية ليس معناه أن أثبتنا لله الجسمية وإذا قلنا الله كلم موسى فليس معناه أن الله موصوف بالحرف والصوت. Si on a cru que les gens du paradis voient Dieu sans commande, sans ressemblance aux créatures, ça ne veut pas dire qu'Allah est un corps ou qu'il a un aspect ou une image. Et si on dit que Moussa a entendu la parole de Dieu, Allah lui a parlé, ça ne veut pas dire que la parole de Dieu est une langue composée par des lettres et des voix. Amanna ma'a tanzih wa taslim. On a cru avec l'exemption qu'Allah n'est pas comme les créatures et on est soumis puisque ça a été dit dans le Coran. Alors, on ne peut pas rejeter ce qu'Allah a dit dans le Coran. La yajouz an narudda ayatan min kitabillah. قال الإمام الطحاوي ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. شرح يجب الإمام بوجود الملائكة وهم عباد لله تعالى أجسام نورانية خلقوا من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ليسوا ذكور ولا إناث لا يتناكحون لا يتزوجون ولا يأكلون ويشربون يتنعمون بطاعة الله تعالى لهم وظائف. Alors il a dit Tahawi, on croit aux anges, aux prophètes, aux livres révélés sur les messagers, et on témoigne que tous les messagers étaient sur la vérité. Alors lorsqu'on dit on croit aux anges, les anges sont des corps impalpables, sont créés de lumière, sont créés de lumière. Leur chef c'est Jibril alayhi salam. Et les anges ne sont pas de genre féminin ou masculin. Il n'y a pas de mariage qui aura lieu entre eux. Et ils n'ont pas besoin de manger et de boire. Leur corps, ce n'est pas comme notre corps. Nous, on a besoin de manger, de boire et de respirer. Allah Ta'ala a dit à notre sujet, « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ » Allah Ta'ala a dit au sujet de l'être humain qu'on l'a créé sur le plus beau aspect. Alors, on a besoin de manger et de boire, et autour de ça, vous savez, on est éprouvé comment chercher les moyens d'une source halal, délaisser le haram, ainsi de suite. Les anges ont des tâches et des missions à faire. Ils ne désobéissent jamais à Dieu. Lahum wazaif wa la yasun Allah ta'ala abadan. La ya'lamu adadahum illa Allah. C'est Allah seul qui sait leur nombre. لا يتشكلون بصور النساء. Les anges ne prennent pas l'aspect d'une femme, mais ils peuvent prendre l'aspect d'un homme, bel homme, courroyant ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. Comme quand Sayyidina Jibril, des fois il venait avec l'aspect, sous l'aspect de Dihya al-Kalbi parmi les Sahaba, et une fois il est venu sur un aspect que personne ne le connaît, dans l'apparence, sans l'organe génital. سيدنا جبريل كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأحيان بصورة دحية بعض الصحابة واحد من الصحابة اسمه دحية كان جميل الخلقة جبريل كان يأتي بصورته ومرة جاء ولا يعرف أحد كما قال سيدنا عمر رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يعرف أحد منا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد منا سأل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان ثم لما انصرف قال جبريل قال سيدنا محمد هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. لا ينامون الملائكة لا يحتاجون إلى نوم. Les anges n'ont pas besoin de dormir. Les anges n'ont pas besoin de dormir. لهم القدرة
على فعل المعصية ولكن لا يختارون إلا الطاعة. Ils ont la capacité de désobéir mais ils ne choisissent que l'obéissance. ليش؟ لأن بعض الأحيان تسمع بعض الناس يقول أن الملائكة ما لهم اختيار. بعض واحد قال لي مبرمجين. واحد قال لي مبرمجين. Quelqu'un il m'a dit ah bon les anges j'ai cru qu'ils ont été déjà programmés. Il a dit j'ai cru qu'ils ont déjà été programmés. Non, les anges ont un choix. Ils ne choisissent que l'obéissance. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عزرائيل أو ملك الموت يأتي لقبض الأرواح كما أمره الله تعالى فيأخذ الأرواح بالوقت الذي أمر الله كما أمر الله. Il prend les âmes, عزرائيل عليه السلام كما كم الله أخذني. جبريل ينزل بالوحي كما أمر الله عز وجل ولا يخطئ. ما بعض الفرق الضالة لعل غير موجودة الآن بيقولوا تاه الأمين كان يريد أن ينزل على علي فأخطأ فنزل على محمد. جبريل لا يخطئ في هذا. Il y a certains qui ont dit que Jibril s'est trompé. Au lieu de descendre à Ali comme Allah a ordonné, il est descendu à Muhammad. Bon, ce groupe-là, je ne sais pas s'il existe. من أهل الغلو هؤلاء من الذين غالوا في سيدنا علي. هو سيدنا محمد قال لعلي بن أبي طالب هلك فيك اثنان محب غالي ومبغض قاني. سيدنا محمد a dit à سيدنا علي deux personnes vont périr par toi. Celui qui t'aime et qui dépasse les limites, qui dépasse les limites en t'aimant, comme ceux qui ont attribué la divinité, comme ceux qui ont dit que Jibril s'est trompé, et celui qui l'a détesté et l'a haï par son cœur. Mais pourquoi? هذا الرجل من عباد الله الصالحين. هذا الرجل علي بن أبي طالب من خيار عباد الله الصالحين. من أحب الله أحب عليا لأن الله يحب عباده الصالحين. Alors سيدنا علي c'est un grand saint. Allah yuhibbuhu wa rasuluhu yuhibbuhu. Allah l'agré, Sayyidina Muhammad l'aime. Alors celui qui aime Dieu et son messager aime Ali ibn Abi Talib. Hadha bi sayfi naf'a al-islam, bi 'ilmi naf'a al-islam. Par son épée, par sa science, par son courage, était profitable pour l'islam. Mais il était éprouvé par le fait de combattre des gens injustes. Ibtuliya Sayyidina Ali bi qital unas min ahli al-qibla. Ibtuliya wa illa وإلا لولا هذا كان خرج إلى خارج البلدان لكن ابتلي بهؤلاء il était éprouvé ابتلي بهؤلاء لا ينقص من قدره. Si سيدنا علي était éprouvé par ces gens-là qui s'attribuent à l'islam, ça ne dénigre pas سيدنا علي بن أبي طالب. Il a fait ce qu'il fallait faire. قام بما يجب عليه أن يقوم به مع هؤلاء الفرق الذين حاربوه ظلما وعدوانا. والملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. Les anges c'est Allah seul qui sait leur nombre. لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع زوجين أربعة ستة ستمائة. Ils ont des ailes un père deux pères six pères 600 comme سيدنا جبريل له 600 جناح. الجناح الواحد يصد ما بين المشرق والمغرب. Pour جبريل un aile c'est l'étale il couvre de l'est à l'ouest. Et lui, il a 600 ailes. Par une plume, il a pris les quatre villes de Sodome et Gomorre et les deux autres. On est ثلاثة أو أربع مدن قوم لوط بريشة رفعهم. Par une plume, il les a pris de la terre et les a renversés. وإسرافيل له 600 جناح. كل جناح من أجنحته مثل أجنحة جبريل كلها. إسرافيل إلى 600 ailes. Chaque aile de Israfil est comme tous les ailes de Jibril. وكل هؤلاء الملائكة تحت إمرة الله يعني يطيعون الله. Tous les anges obéissent à Dieu عز وجل. لو سلط الله ملكا على أهل الأرض غلبهم. Si Allah envoie un ange contre les gens de la terre, tous les gens de la terre, un ange est capable de prendre victoire.
Mais Allah Ta'ala nous a donné un délai. Allah Ta'ala a'tana muhla li yawm al-qiyamah. Al-malaika taktubu al-a'mal. Il y a les anges raqib wa atid qui écrivent nos actes. Il y a les anges al-hafadha qui nous préservent des diables. Il y a des anges qui s'occupent des feuilles des arbres qui tombent. Il y a des anges qui s'occupent de la pluie. Il y a des anges qui s'occupent des arbres. Il y a des anges qui s'occupent du vent. Lahum wadha'if. Munkar wa nakir. Les su'al. Munkar wa nakir, c'est pour questionner les gens dans leur tombe. Wa amma al-imanu bin nabiyyin fa wa an yu'mina الإنسان بأن الله ارتضاهم للنبوة واصطفاهم وأكرمهم بالسفارة بينه وبين عباده بما يوحي إليهم. Faut croire aux prophètes. C'est quoi? Les prophètes, c'est des êtres humains. Allah les a choisis, Allah les a élus. Et ils sont les meilleurs des humains à leur époque. Un prophète, là, il n'y aura pas meilleur que lui. C'est le meilleur à son époque. Allah les a choisis et il les a envoyés pour être l'intermédiaire entre Dieu et les créatures, lorsque ces messagers transmettent les ordres de Dieu. L'ange Jibril descend, il dit à cet homme, Allah t'a choisi comme prophète. Alors annonce à ta communauté telle et telle chose, interdit, dis-leur que telle chose est interdite, telle chose est obligatoire. Mais il faut être sûr que tous les prophètes sont venus avec l'islam, n'adorer que Dieu seul. Kull al-anbiya ja'u bil islam. Moussa, Moïse est venu avec l'islam, n'adorer que Dieu seul et suivre Moussa et Haroun à son époque. Jésus est venu avec l'islam, n'adorer que Dieu seul, suivre Jésus comme prophète messager à son époque, mais pas adorer Jésus, ni sa mère, ni l'ange Gabriel, adorer Allah Ta'ala le Créateur. Yaqub est venu avec l'islam, Jacob, Israël est venu avec l'islam. Youssef est venu avec l'islam. Ibrahim est venu avec l'islam. Adam a ordonné à ses fils d'adorer Dieu et de prier pour lui. إذن الدين واحد أما الشرائع شرائع الرسل فيها بعض الاختلاف. La religion est une seule religion, tandis que la pratique, il y a plusieurs lois de pratique. C'est-à-dire plusieurs lois dans certaines choses. Sinon, l'interdiction du porc, ça a été toujours interdit. L'interdiction d'usure, de la sorcellerie, du vol, de l'injustice, ça a été toujours interdit. في أشياء حرام كانت في كل الشرائع. الظلم, السرقة, أكل الخنزير, أكل الميتة, الربا, السحر. كان هذا حراما دوما. هناك فرائض كالصلاة والصيام كانت دوما ما شرط تكون خمس صلوات mais il y avait toujours une prière obligatoire, il y avait le jeûne qui est obligatoire depuis Adam. كما قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Était obligatoire sur vous le fait de jeûner comme ça a été obligatoire dans les communautés précédentes. هلا شريعة سيدنا محمد أتم الشرائع وأسهلها. La charia de سيدنا محمد, c'est la plus complète, la plus souple, la plus facile. انت بتشوف احكام كثيره وخمس صلوات لكن هي اتم الشرائع واسهلها. C'est la plus facile à pratiquer. اليوم الانسان ممكن يكون طبيب او مهندس او تاجر او وزير ويطبق احكام الشريعه ولا يتعارض هذا مع حياته العمليه. La personne peut être ingénieur, médecin, grand commerçant, un grand ministre et il pratique sa foi de l'islam tout en exerçant son travail, sans qu'il y aura une contradiction entre le travail qu'il a besoin pour sa vie et pour l'au-delà. الأحكام اللي نحن بنعمل فيها الآن نزلت على سيدنا محمد من 14 قرن و 40 سنة وأكثر. Les lois qu'on pratique aujourd'hui ont été révélées depuis 14 siècles et 40 et 50 ans. Et on pratique aujourd'hui avec toute la modernité, le développement qu'on voit, sans problème avec la vie moderne. شهادة يدل على أي شيء يدل على أن هذا شريعة سماوية لو كانت من عند البشر كيف كان فينا نعمل فيها الآن. Si les lois révélées à Sayyidina Muhammad, c'est Sayyidina Muhammad qui a inventé, comment on a pu la pratiquer aujourd'hui? Mais prenez n'importe quelle loi laïque ou de l'être humain. Prenez n'importe quelle loi de l'être humain. Tu voulais par exemple Genghis Khan? Ces lois sont terribles.
Tu veux quoi? Les lois anglaises, les lois italiennes, les lois, même 10 ans, 20, 30 ans en arrière, de Gaulle, regardons les lois, c'est terrible. Certaines lois, c'est des lois humaines. On ne sait pas le futur, on pratique aujourd'hui, on observe. Par la suite, on dit il faut changer. Ah, on a tapé le mur. C'est pas une bonne loi, on change. Parce qu'on ne sait pas le futur. Mais les lois qu'on pratique dans l'islam, c'est des lois révélées 14 siècles, mais on n'a pas cogné le mur. Pourquoi? Parce qu'Allah sait l'intérêt de l'être humain plus que l'être humain. L'alcool est interdit, c'est bon. Le drogue est interdit. On n'a pas besoin de voter, ni de dire un taux de 0,5 ou 0,3, ni on dit, ouais, 3... Non, haram, c'est interdit. La consommation du drogue, la consommation de l'alcool, c'est interdit. La consommation du vent du porc, c'est dans l'intérêt de l'être humain. Ou l'intérêt des autres. Celui qui consomme l'alcool met les autres en danger. La viande du cochon met ta propre santé en danger. Celui qui consomme le drogue, il met sa propre personne en danger. Celui qui fait le contrat d'usure, il n'a qu'à voir le Liban. Lebanon, c'est l'État, c'est virtuel, le Liban. Mais regardez les individus qui ont mis l'argent dans la banque. Les banques ont prêté la grande banque, et l'a donné aux voleurs, nos politiciens qui sont voleurs. Alors il y a 60 milliards qui vont aller, qui sont dans l'air, Monsieur Jeanne. الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم هذا المثال تاع الربا بده يدخل بما بخلاف ما أمر الله بده يفوت بالحيط طبعا بده يفوت بالحيط نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام نسأل الله تعالى التوفيق والسداد وأن يقبل منا الصلاة والصيام وأن يرزقنا حسن الختام الحمد لله رب العالمين